Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes au salon de l'agriculture. Alors, il y a eu différents pays, dont je cite le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc, vous allez suivre le reportage que nous avons présenté, concocté pour vous. Restez avec nous sur Zemati. Bien rasé. Bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter l'Institut de Recherche Agricole? Voilà, donc je vous présente, mon nom d'abord c'est Dr Aline Fall. Oui. Je suis le directeur général de l'ISRA. L'ISRA c'est l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole qui s'occupe de la recherche dans quatre domaines prioritaires dans le secteur primaire, notamment la production agricole de manière générale, tout ce qui est production végétale, l'élevage, n'est-ce pas, qui est quand même un secteur assez productif dans notre secteur, la pêche, tout ce qui est recherche dans le domaine halieutique, l'environnement, pour tout ce qui est recherche dans la forêt et tout ce qui est la durabilité des systèmes, si vous voulez, naturels. Et en plus de ça, nous avons un cinquième domaine qui est la politique agricole et la sociologie rurale. Donc, qui s'occupe un peu de politique agricole, d'aider à la prise de décision pour aider les politiques à prendre les meilleures décisions en cas dans les domaines de développement agricole et rural. Et donc l'ISRA s'occupe de quatre grands domaines, en plus de ce domaine transversal qui s'occupe de politique. Et en plus de ça, nous avons deux unités de production très très importantes qui sont des unités qui accompagnent tout ce que nous faisons en matière de développement rural. Notamment, c'est la production de semences. Nous produisons les semences de l'ensemble des espèces et variétés cultivées au Sénégal. Et en plus de ça, nous produisons les vaccins qui sont utilisés dans la production et la santé animale. Donc vous avez ici les vaccins. Nous en produisons 28 types de vaccins que nous écoulons, si vous voulez. Ça, par exemple, c'est pourquoi? Voilà, ça c'est l'anabot, c'est tout ce qui est pour les petits ruminants. Tout ça, nous avons le I2 qui est utilisé pour la volaille. D'accord. N'est-ce pas? Si vous voyez ici, nous avons la T1-44. La T1-44, c'est pour la peste péripneumonie contagieuse bovine. D'accord. Donc, c'est vraiment. Ce vaccin nous a permis de faire l'éradication de cette peste-là. Bon, ces dernières années, on a eu des foyers quand même, deux foyers. Mm-hmm. Depuis 5 ans, on n'a pas eu ce problème, mais vous savez, avec le commerce transfrontalier et tout ça dans nos pays. Dans les pays, oui. Donc la maladie a réapparu dans deux zones. Donc nous menons actuellement une lutte acharnée parce que nous voulons être carrément indemne de cette maladie. Le Sénégal a été indemne de la peste bovine que tout le monde connaît. Depuis maintenant, c'est déclaré au niveau de la FAO et partout. Et tous ces vaccins contribuent à l'amélioration de la production animale, aussi bien du point de vue surtout santé, que aussi du point de vue booster la productivité, que ce soit le lait, que ce soit la viande, pour que les animaux soient en meilleure santé pour vraiment produire. Donc vraiment, c'est ramasser un peu les grandes activités. Et en faisant ce travail, nous le faisons en partenariat avec vraiment des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, parce que les produits sur lesquels nous travaillons, ce sont des produits qui sont destinés, si vous voulez, à des bénéficiaires finaux. Oui. Par exemple, si vous voyez ici, nous avons des semences de sésame. Oui. Nous avons 5 variétés de sésame que nous produisons actuellement au niveau du Sénégal. Et pour chaque zone agroécologique, il y a une variété de sésame qui correspond à la zone. D'accord. Ça, c'est une espèce assez traditionnelle, le fognon. Mm-hmm. Bon, ce n'est connu que dans la zone ouest africaine. D'accord. Mais c'est vraiment utilisé pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc vraiment, dans le processus de la sécurité alimentaire, le fognon joue un rôle très très important. Nous avons aussi par ailleurs d'autres types de cultures, notamment le Jatropha kirkas. Mm-hmm. Ça c'est pour le biocarburant, on fait de l'énergie à partir. Donc c'est pour aider les petites exploitations à pouvoir produire leur propre énergie à partir de la production végétale. Donc si vous voyez, donc on est avec des bénéficiaires finaux qui bénéficient des résultats de la recherche et qui permet d'abord de sécuriser les emplois, donc générer des revenus, et aussi de lutter contre la pauvreté. D'accord. Donc c'est comme ça que l'ISRA travaille. Et donc vous revenez de l'Afrique, vous revenez du Sénégal, vous êtes là aujourd'hui au salon. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Voilà, donc nous le faisons presque depuis longtemps. Chaque année, pratiquement, nous venons au salon, accompagnés de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes là avec
Monsieur Sow, qui est le président de la maison des éleveurs, donc qui s'occupe de l'élevage. Donc nous venons pour montrer les opportunités d'investissement que nous avons chez nous. D'accord. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, en discutant avec des partenaires que nous rencontrons ici, en tout cas leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils se sentent impliqués à nous appuyer, si vous voulez, dans le processus de développement. Par exemple, la culture fourragère, est-ce que serait prêt certainement pour accompagner, pour nous permettre de sécuriser le bétail, de produire suffisamment de lait que nous pouvons écouler sur le marché. Bon, vraiment, c'est une panoplie dans tous les secteurs qui permet d'échanger avec des partenaires, d'abord des partenaires au développement, des partenaires techniques et des partenaires scientifiques. Les partenaires au développement, c'est pour accompagner, en tout cas sur le plan bras technique et scientifique. Le partenaire financier, c'est pour pouvoir en tout cas, discuter, montrer qu'il y a des projets porteurs sur lesquels nous pouvons travailler. Et l'autre aspect, c'est le plan scientifique. C'est des collègues qui viennent ici, ils veulent faire de la recherche, par exemple, sur le fognon. Ils trouvent l'opportunité d'une institution de recherche qui travaille sur ce produit. Donc, on peut déjà faire un partenariat pour faire des activités sur le terrain. Donc, malgré, vous avez eu à faire plusieurs salons ici. Est-ce que ça a déjà produit ses fruits? Voilà, exactement ça. Très bien produit ses fruits. L'année dernière, nous avons signé d'importantes conventions, ce qu'on appelle des MOU, c'est des Memorandum of Understanding. C'est des protocoles d'accord que nous avons signé l'année dernière avec des privés qui font des semences. Parce que ce que nous faisons au Sénégal, nous produisons ce qu'on appelle les semences pré-base. Ce qu'il faudrait, c'est de les multiplier pour les mettre à la disponibilité des producteurs en semences certifiées. Bon, généralement, nous avons besoin de partenaires techniques qui puissent nous accompagner dans ce processus de multiplication. Donc, il y a 2 ans, on a signé un important protocole avec COSAD, France, avec d'autres aussi, d'autres firmes qui sont là, qui viennent au Sénégal présentement et viennent travailler sur nos variétés et amener d'autres variétés qu'on peut aussi introduire dans le système. Donc ça a été très très porteur et depuis l'année dernière nous travaillons avec eux. Nous travaillons sur le plan scientifique avec le CIRAD qui est là, qui est à Montpellier, chaque année vient ici. Nous travaillons avec l'IRD, nous travaillons avec véritablement le CNRS, beaucoup de, si vous voulez, d'institutions françaises dans la recherche qui, chaque fois on se rencontre ici au salon, on fait des négociations. Il y a des discussions et nous essayons de prendre en charge les nouvelles problématiques. D'accord. Tout ce qui est problématique émergente, nous essayons d'asseoir des stratégies pour les prendre en charge, aussi bien avec les chercheurs qui sont ici en France, que les chercheurs qui sont ce qu'on appelle le Sud, pour faire un partenariat Nord-Sud. D'accord. Et ça, nous le faisons chaque année. Et cette fois-ci, nous allons encore en faire, parce que déjà après ici, nous allons à Montpellier pour continuer les négociations et approfondir les discussions. Je m'appelle Ismaël Assou, je suis le président du Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal. Et monsieur le directeur général a dit le plus important, mais je vais compléter un peu quand même. Bon, dans notre pays, comme il a dit tout à l'heure, que l'Institut, c'est un institut qui est plus important de notre pays et aussi qui bien contribue sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et d'autres domaines concernant l'agriculture sens large. Bon, on a venu ici en tant que paysan sénégalais pour échanger avec les paysans européens pour nous permettre de découvrir ce qui se passe ici et voir ce que nous pouvons faire aussi pour le transmettre dans notre pays. D'accord. Bon, parce que nous, en tant que l'éleveur que je suis, bon, notre principe que 3 points, il s'agit de santé, alimentation ou concernant le développement de l'élevage. D'accord. Bon, l'ISRA a fait beaucoup de recherches, beaucoup de choses et il a et à produire aujourd'hui des vaccins plus importants pour les cheptels sénégalais. Parce que les maladies fréquentes dans notre pays, c'est là, comme il a dit tout à l'heure, c'est une maladie qui s'appelle PPCB. Surtout avec aussi les fièvres aphteuses, c'est des choses qui nous fatiguent, nous les éleveurs. Mais grâce à leur appui quand même, ils ont produit des vaccins plus importants pour nous permettre de lutter contre cette maladie. Bon, le reste est que nous, les éleveurs, comme vous le savez, l'Afrique, c'est pas la même chose avec l'Europe. Parce qu'il y a manque d'eau, de problèmes de climat, de problèmes d'alimentation. Et c'est des pays qui sont en voie de développement. Donc il est temps que les éleveurs et les agriculteurs réfléchissent ensemble, mais surtout aussi le partenariat avec
leur gouvernement pour leur permettre de faire beaucoup de choses plus importantes. D'accord. Et en tant que conseiller, est-ce que vous avez déjà certaines décisions ont déjà été approuvées par le Parlement? Il y a certaines lois qui ont déjà été votées? Oui, parce que dans notre institution que je suis membre, comme le Conseil économique, social et environnemental, c'est une institution qui reçoit parfois des ministres, faites des propositions, mais aussi surtout auditionner les ministres, leur demander leur secteur, quel est le problème. D'accord. Et aussi nous, on parle de certaines difficultés que nous connaissons, qu'est-ce que l'État pense de résoudre ce problème. Bon, je peux dire que cette année, il y avait des problèmes de moutons de tabasque, parce que dans notre pays, c'est un pays qui a 95% de musulmans. Ils ont aussi célébré toujours l'événement des fêtes de tabasque. Oui. Bon, et les gens voulaient aussi suffisamment de moutons pour leur permettre de dérouler cette fête avec leur famille. Oui. Bon, donc nous comptons aussi dans les pays avancés comme la Mauritanie, oui, le Mali, ils ont amené parfois leurs troupeaux. Le Sénégal a réfléchi comment il faut faire maintenant pour faire autosuffisance de moutons tabasque. Le reste aussi, parfois, il y a des sécheresses qui amènent aussi beaucoup de problèmes pour les éleveurs. Et aussi, les éleveurs discutent avec l'État ce qu'on peut faire maintenant pour trouver autosuffisance d'alimentation de bétail. Bon, tout ça, vraiment, c'est des choses très intéressantes. Et en matière de développement économique aussi, on parle avec le secteur concerné, parce que c'est des secteurs transversaux parfois. L'élevage concerné par le ministre de l'élevage, oui, mais aussi c'est un secteur qui travaille parfois avec le ministre de commerce concernant la commercialisation des bétails, et aussi parle surtout de l'alimentation avec les industriels qui fabriquent d'aliments de bétail. Ils sont dépendants au niveau du ministère de l'industrie concernant aussi le vol de bétail. Oui. Ça aussi, ça existe en Afrique. Bon, donc aussi c'est la ministre de sécurité comme l'intérieur, force armée, tous ces départements ministériels qui travaillent avec nous. D'accord. Donc au niveau du conseil économique aussi, on reçoit les ministres, les auditionner, mais aussi faire notre proposition et produire des rapports, donner les ministres, donner aussi surtout les présidents de la République. D'accord, merci beaucoup. Merci madame.